Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo sur un thème Recalbox, c'est encore un thème d'Alec Fool et aujourd'hui c'est le thème V4 qui comme vous le voyez ressemble beaucoup à l'interface de la PlayStation 4. Donc c'est un style un peu spécial, moi je suis pas fan mais je vous le présente au cas où ça vous intéresserait. Il fonctionne depuis la version du mois de mars, la mise à jour du mois de mars, la 18.3.16. Vous avez l'image de fond, bah, vous pourrez la changer, vous verrez après il y a déjà 6 choix qui sont à l'intérieur de du thème 7. Il y a 4 ou 5 musiques qui tournent en boucle, il n'y a pas de musique par système. Et là vous voyez les consoles qui sont représentées avec des icônes assez différentes, donc c'est des photos souvent. Voilà, la SCUMVM, le MSX, MSX2, le Sharp X68000, mais ça tourne que sur PC. Ah, vous avez Doom, les favorites. Donc là où je suis moins fan, c'est ça en fait, c'est quand vous cliquez dessus pour voir les ROM, c'est sur le fond bleu, bah, style PlayStation 4. Donc à gauche vous avez la liste des jeux, à droite vous avez le descriptif, et au milieu vous avez les cartouches de jeux, mais le problème c'est que suivant les scrappers que vous avez utilisés, les cartouches sont pas nickel. Le Famicom Disk System, ça va encore un petit peu. La NES, ça va. Mais par contre, tout ce qui est Super Nintendo, les jaquettes sont coupées des deux côtés. Donc là, il faudrait re-scraper. Moi, je trouve pas ça superbe esthétiquement. Bon, Master System, ça va, par contre. Là, tout se passe bien. Alors, vous n'avez pas de roue sur le côté. Par contre, voilà, vous voyez, vous avez l'icône qui est en grand à gauche. Et vous pouvez modifier pour avoir l'icône en grand au milieu, ça fait pas une grande différence. Donc, comme d'habitude, bah voilà, vous allez à configuration du thème, système view du thème, vous prenez le deuxième choix. Attendez quelques secondes. Et hop! Donc là, il n'y a pas une super différence, je trouve. Ensuite, vous avez les fonds, donc vous pouvez mettre ce fond, c'est Metal Gear Solid. Les icônes sont assez lisibles. Vous avez Watch Dog, je ne me trompe pas. Voilà, le fond encore, ça va, là c'est assez lisible. Ensuite on a God of War, on a deux God of War, on a celui-là, God of War en pleine action. Et on a celui-là, God of War sur son barco, son bateau. Son barco, sa barque je veux dire. À son petit canoë. Après on a un fond qui est joli, mais je trouve qu'il est pas très clair par rapport aux icônes, voilà. C'est Marvel Infinity. Donc il est joli, mais le nom des consoles ressort pas trop. Bon, les icônes, après, ça va. Et on finit sur Tekken. Tekken qui est en deuxième choix, en fait, quand vous avez la liste des fonds d'écran. Je trouve qu'il est pas mal. Il est rouge pétant, là. Ça ressort bien. Donc, comme d'habitude, dans les thèmes, vous appuyez sur Start. Option d'interface. Vous allez dans Configuration du thème. Color set du thème. Et là, vous avez la liste des 6 choix. Bon, la liste, je les appelle un peu vite. Donc je vous l'ai dit, vous aurez le lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce set, moi je suis pas très fan honnêtement. Mais après, si vous êtes fan de la PS4, ça vous plaira sûrement. Laissez un petit pouce si la vidéo vous a plu, et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. A bientôt tout le monde. Ciao.